Salut tout le monde, c'est Fragix et aujourd'hui on se retrouve pour une mêlée générale d'iRise, toujours en live commentary, donc Frag Live épisode 8. C'est parti, alors on va prendre le FAMAS, ça fait longtemps que j'ai pas pris cette arme. Y a bien un mec, oui, c'est bien ça. Franchement le FAMAS c'est une arme très très puissante. Il suffit d'une rafale de 3 pour tuer son adversaire. Bon, faut bien viser quand même. Puis bon, j'ai mis visée solide en cas de surprise, donc ça, les réflexes, tout de suite R1 et puis on tue l'adversaire. En plus c'est une arme française, monsieur. Et oui, une arme française, j'ai bien dit française, la France, ça c'était beau. Et puis, oh, par contre, ouais, par contre faut être précis, hein, parce que... Ok, il m'a join l'enfoiré, ah mais ils m'ont join les deux. Bon bah dédicace à XZ Echo et à XS Leira que je me ferai le plaisir d'éliminer dans cette partie ou pas si. Donc c'est parti. D'ailleurs j'ai déjà un drone. Bon, le drone comme tout le monde le sait c'est vraiment un must en FFA. Par contre là j'en avais des deux côtés, c'était assez dur à gérer. En deuxième arme j'ai les USP Akimbo. C'est habituellement une configuration que j'utilise pour le... Voilà, merci XZ Echo. Voilà. C'est habituellement une configuration que j'utilise pour ma classe sniper. Bon, bah, j'ai décidé de changer un petit peu. Faut bien sortir de ses habitudes quand même. Bon, par contre, il y avait un mec là et je sais pas où il est. Merci. Franchement, c'est ma première partie au FAMAS depuis bien longtemps. Puis je dois avouer que c'est quand même pas mal. Hein. Je fais un 10-4. Bon, ça, c'est pas important le score. Hein. C'est surtout de prendre du plaisir, mais bon, ça en fait partie du plaisir, faire une bonne partie. Alors là il y a un mec sur la droite, je vais me faire le plaisir de pas tuer. Ouh là, là il y a un tas d'ennemis si je puis dire. Merci. Ou par contre il avait son AT4 ou je sais pas trop quoi. Hop, encore XZ Echo, j'ai pas tué X Slayera. Bon, magnifique spawn on va dire, hein. Ça c'était épique. Ah attention, peut-être que c'est X Slayera. On va peut-être le tuer. Non, c'était pas lui. Mais je l'ai quand même tué, c'est ça l'important. On va continuer. iRise encore. Franchement c'est une très très bonne map. En R&D j'adore cette map, c'est ma map préférée de R&D. Hop, un petit headshot. Bon là je suis sur mon compte hacké de la mort, hein. Ah bah tiens, X Slayera. Je suis sur mon compte hacké de la mort, donc j'ai fait des challenge lobby dessus. Mais faut savoir que le FAMAS c'est une arme que j'aime tellement que je me suis forcé à faire les 250 headshots, c'est ça? Je m'en rappelle plus exactement. Sans booster bien sûr. Et franchement ça m'a fait un énorme plaisir de faire ces headshots et puis de mériter entre guillemets mon camouflage. Bon, par contre là j'ai voulu faire un noscope de la mort across the map mais c'est pas passé. Par contre là, oui bon ça c'est sûr que... Et qui me rattrape? Ah, y a l'autre avec son lance-granate. Il s'est couché, ok. Oui, ok. Bah, viens s'il te plaît, viens s'il te plaît. Ok. Voilà, fallait vraiment que je le loupe, que je ne le loupe pas justement, parce que il me restait, ok, parce qu'il me restait que deux rafales, donc 6 balles. Oh mais par contre lui il va me péter les... Ok, TAR 21 lance-grenade, d'ailleurs il est passé devant grâce à son lance-grenade, c'est abusé ça, sérieux. C'est pas mérité une partie je trouve, mais bon après, chacun fait comme il veut. Puis on va pas râler. Là par contre, je vais essayer de l'avoir. Faudrait que... Ouais, genre. Ah. Enfoiré, enfoiré. Ah, mais j'arriverai jamais à débloquer un prédateur, c'est pas possible. Hop, une petite Semtex pour faire plaisir. Oh non, il est passé où par contre? Ah, Marc, on se retrouve enfin. Oui. Ça c'est du spawn. Par contre je sais pas où il est passé.
On va le mitrailler un petit peu. Ok. Donc apparemment il m'attendait. Oui mais bon, si on me met toujours à côté de lui aussi Hein. Faut stop un peu hein. Je sais pas où il est passé. Pardon. Je suis un petit peu malade là. Ah mais bordel. Bon par contre c'est cool, le beau temps est revenu. Nathan, comment t'as fait pour pas me voir, sérieux? X les échos, j'enchaîne la team. Grosse dédicace au passage, hein. Je vous aime mes petits Avenged. Allez bon, on va essayer de la gagner cette partie. Attention. Waza. J'ai fait le fail, c'est pour ça que je me suis tué. Hop. Hop. Punaise, j'ai pas eu le temps d'activer mon drone. Maintenant oui. Donc il est monté. Non, il est passé sur dans le couloir vert, j'appelle ça. Ah bah non, il était tout simplement ici. Par contre, ça a défoncé ça. Marc Hugues. Enfoiré. Voilà. Ils font combien les deux? 18-18 et 10-23. Magnifique. On va dire que XZ Echo n'est pas un mauvais joueur, mais qu'il a tout simplement pas de chance. C'est clair et net. Parce qu'il fait des... Bon, surtout les noscopes, comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo Return of the Hafk version 2.0, qui est franchement une vidéo que j'adore et puis qui est tellement bien. Oh, Nathan, par contre. Tiens, bouffe ma grenade. Non, non. Oh, le fail. Oh, le fail épique. Épique. Ah, mais ça me fait plaisir de faire des fails dans mes vidéos. C'est toujours marrant, putain. Ah, en plus, je suis sûr qu'il va se foutre de ma gueule, l'autre. Pardon. Ok. Voilà, allez, plus qu'un kill. Plus, allez, faut que je le gagne, faut que je le gagne. Mauvais côté. C'est pas grave. Ah mince, j'ai perdu à un kill à cause d'un lance-patate. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait une bonne... Enfin, j'ai fait une assez bonne partie. Je suis content d'avoir fait ce petit live commentary. Ça faisait longtemps. Bon, j'avais des examens, donc j'ai pas eu tant de temps que ça. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis sur ce, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera grandement plaisir. Et à la prochaine, salut à tous.